Je peux faire quelque chose pour vous? 13, 23, donnez maintenant à l'arrière! Tu veux pas prêter ta balle? C'est pas gentil! Et voilà le travail! Ouais! Oh, t'es la meilleure, Spinelli! Joli coup! Encore un envoi comme ça et on gagne la partie! La prochaine fois, je te mets la tête sous terre! Maman! Encore un qui ne va plus vouloir jouer jusqu'à l'année prochaine! Rien ne t'empêche de le remplacer, Lawson! Eh, tu crois que je suis idiot à ce point? Alors qui je vais vous mettre en ligne arrière? Eh, hey, Johnny V! Viens voir ici! Johnny V! Merci, c'est sympa de m'avoir choisi. Ouais, 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 tout ce qu'on te demande, c'est de lancer la balle, d'accord? C'est pas vrai, il a pris Dandelay pour jouer en arrière. C'est gagné d'avance. Faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Peut-être que le petit Johnny V est capable de nous faire perdre. Ouais, imagine qu'il perde enfin sa Dandelay et qu'en cadeau, la petite souris lui apporte la victoire aujourd'hui. 76, 63, allez-y, passez le ballon. Je fonçais sur Dandelay pour le rétamer et là j'ai failli étouffer. Je trouve ça drôlement bizarre. Peut-être que t'as faim? Non, on dirait que mon estomac a un sac de plomb à digérer. Tu souffres probablement d'un dysfonctionnement physiologique. Il faudrait faire des examens complémentaires. J'ai le matériel. Attends, Gretchen, l'infirmière l'examinerait aussi vite. Ouais, allons-y, j'ai sûrement un truc qui cloche. Bonne nouvelle, pas de température. Alors pourquoi je peux pas battre Johnny V? Ce nom ne me dit rien, je l'ai déjà examiné. Il est plein de taches de rousseur en CM2 et en plus il a une Dandelay. Oh, je vois. Moi je vois rien du tout, qu'est-ce que j'ai? Est-ce que c'est grave? Rassure-toi, Miss Spinelli, je peux te garantir que tu es en bonne santé. Tu as les symptômes d'une jeune fille qui s'épanouit à merveille. Qui s'épanouit? Elle est fleuriste ou infirmière? Je suis pas une rose. Et Jill et Crabouilleur grimpent sur le dos de Joe Lampoigne qui tente désespérément de se dégager, mais il lui tord le bras. Y a rien de plus prenant qu'un match de lutte, pas vrai, Pookie? Ouais, ouais, sûrement. Y a quelque chose qui te préoccupe, mon chaton? À la télé, on a un match exceptionnel et tu regardes ça comme si je t'avais mis Canal Beauté. Ouais, je sais. Dis-moi ce qui te pèse. Tu peux tout dire à ton vieux papa? Bah, voilà, je ressens un truc bizarre. À mon école, y a un garçon... Stop! Plus un mot! Chérie! Oui, que se passe-t-il? C'est Pookie, elle se fiche du match de lutte et elle me parle d'un garçon à l'école. Oh, c'est vrai, un garçon? Dis-moi, est-ce que t'as l'impression qu'on t'a mis un coup de poing dans l'estomac? Ouais, ça y ressemble. Oh, notre Pookie est amoureuse. Je suis quoi? Hey Spinelli, tu veux expérimenter un jeu de l'ancien temps qui s'appelle Crash Canette? Non merci, Tiji, je suis pas la tête à jouer. T'es sûre? Parce que je suis persuadée que t'adorerais ça. Oui, selon les règles du jeu, les participants doivent taper dans une canette vide jusqu'à ce qu'elle soit complètement écrasée. Peut-être une autre fois, mais je suis pas d'humeur. Aujourd'hui, j'ai besoin de réfléchir. Elle préfère cogiter plutôt que taper dans quelque chose, c'est... Incroyable, jamais je n'aurais cru que ça arriverait. Oui, en ce moment, je la trouve drôlement bizarre. J'ai une idée, mon ordinateur Galilée est équipé d'un programme d'analyse de la personnalité. Il me suffit d'entrer les données sur Spinelli et il nous expliquera ce qu'elle a dans la tête. Bonjour, Gretchen, je suis ravie de recevoir ton message. Vraiment, elle était incapable de plaquer Johnny V. Secondo, elle a eu l'impression d'avoir un pavé sur l'estomac. Tertio, elle préfère réfléchir que de s'amuser. Pourquoi tu ris? D'après l'âge et les symptômes décrits, Spinelli doit avoir un penchant pour quelqu'un. Quoi? Elle a un penchant? Ça peut se redresser? Ce n'est pas un problème mécanique, Gus. C'est une tocade. Je crois que Spinelli est amoureuse de Johnny V. Si on veut protéger Spinelli des mauvaises langues, il faut que personne soit au courant, d'accord? D'accord. Merci pour cette croustillante nouvelle. Qu'est-ce que vous avez à sourire bêtement? C'est Cupidon qui met de la gaieté dans l'air. Vous pouvez traduire, j'ai pas de décodeur. Oh, tu sais de qui on parle et tu connais la situation. Ne t'inquiète pas, on s'est gardé un secret, on est muets comme des cartes. Attention, attention, ouvrez vos oreilles. Spinelli est amoureuse de Johnny V. Je répète, notre dur à cuire est amoureuse d'un garçon. Je vais te faire avaler ton porte-voix. Embrasse-le, on l'entendra plus. Qu'est-ce que dira-t-il et pourquoi il rit?
sais plus où me mettre, c'est tellement honte. C'est pas ta faute, Johnny. T'as eu de la chance, c'est tout. Mais pourquoi c'est tombé sur moi? Pourquoi je me suis amourachée comme une idiote d'un imbécile de garçon? Je trouve ça mignon, au contraire. Je voudrais être capable de lui balancer un direct du gauche, mais j'y peux rien, il me paralyse. À cause de lui, je suis comme une guimauve, ma vie est fichue. Eh, mais on fait partie de ta vie et ça change rien pour nous cinq. Oui, même si tu es amoureuse et je n'ai pas dit que tu l'étais. Mais au cas où, on te considérerait de la même manière. Ah oui, moi j'aurais toujours peur que tu me donnes des coups. C'est vrai? Vous ne changerez jamais rien avec moi? Pas d'un millimètre. Merci les gars, ça me va droit au cœur. Au lieu de s'attendrir, si on s'amusait. On peut lancer l'opération Beignet. Vince, Gretchen, vous connaissez votre mission. Il faut quelqu'un pour couvrir les flancs. Je m'en charge. Oh non, Spinelli, on va pas t'embêter avec ça. En ce moment, t'es plutôt d'humeur à composer des poèmes. Gus assurera la défense. Voilà le plan d'action. Voilà la barre de fer. Est amoureuse. Elle est amoureuse. Oh, attention, voilà la bisouilleuse. Faut se sauver. Super, il manquait plus que vous pour vous moquer de moi. On ne se moque pas, au contraire, on comprend ce qui t'arrive. Sérieusement? Suis-nous, on va te montrer. Qu'est-ce que vous voulez me montrer? Oh, mais c'est quoi ça? Tu vois, Spinelli, il n'y a pas que toi qui es amoureuse. Regarde, ce sont les photos de tous les garçons qu'on adore. Ah, les garçons? Mais je trouve que celui-là a l'air d'une fille. Parce qu'il a l'air doux comme un ange. Ça, c'est Jed Marker, l'amoureux de Ashley T. Ça, c'est Brett Jamal, celui d'Ashley Q. Kip Parker est à Ashley B. Et Cody Hunter est pour moi. Oh, quant à celui-là, on t'en fait cadeau. Caravaggio! Je l'adore, il est trop craquant. Arrêtez, je veux vomir mon déjeuner. D'accord, reste avec ton Johnny V. Mais j'en veux pas, Johnny V. Ça prouve qu'elle est vraiment folle de lui. Oh, elles sont complètement nulles, ces filles, avec leurs photos de garçons qui sont encore plus nuls qu'elles. Moi, je me fiche pas mal de ce Johnny V à la noix, je vais plus le revoir. Il se passe des choses étranges par ici. Je le déteste, un peu, beaucoup, encore plus. Je le déteste à la folie. Tiens, 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 c'est mademoiselle Spinelli. Miss Finster, j'ai rien pris dans le jardin du principal, je vous assure. Pas de panique, fillette, j'ai pas besoin d'un dessin pour comprendre la situation. Sincèrement? Bien sûr, les autres se moquent de toi, tu te sauves dès que tu vois un garçon. C'est une histoire vieille comme le monde, mais les femmes de caractère comme nous ne peuvent pas montrer leurs émotions. Ouais, c'est un vrai calvaire. D'abord, on craint de se ramollir comme des guimauves et ensuite, ça nous fait comme un poids sur l'estomac. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Alors, les blouses blanches vous disent, non, ça n'est pas un ulcère et le diagnostic tombe comme un couperet, c'est l'amour. L'amour? Oh non, je le savais, ma vie est fichue. Non, tu te trompes, fillette, au contraire, c'est là que tout commence. Désormais, tu vas devoir t'habituer à sentir ton cœur bondir, comme s'il voulait sortir de ta poitrine. Tu auras envie d'aller te promener sur les toits pour chanter à tue-tête. Et parfois, tu auras envie de creuser un trou sous terre pour te cacher. Mais même si ton amour te laisse un jour au bord de la route, avec un pneu crevé et sans un sou, il faudra jamais regretter. Surtout, rappelle-toi qu'un cœur qui palpite est un cœur vivant. Et si ça peut te rassurer, je vais te dire une bonne chose. Les autres enfants ne le savent pas encore, mais un jour, ils ressentiront la même chose que toi. Et je peux te garantir que ce jour-là arrive plus tôt qu'ils ne l'imaginent. Vous êtes sûr que ça leur arrivera aussi? C'est inévitable. Alors fais-moi le plaisir de retourner t'amuser illico. 16, 77, chargez. Ouais, qui ne tentait rien à rien. Oh, l'amour, toujours l'amour. En train de nous battre. Normal, on n'a pas d'attaquant. Normal. C'en est fini de nous. Voilà. Pas de panique, les amis. Le Spinelli Express a fait le plein d'énergie avant de venir. Qu'est-ce que tu fais dans le coin? Il paraît que vous avez besoin d'un attaquant. Tu as pensé à ton état? Mon état ne m'interdit pas de jouer au ballon avec mes copains. Alors, allons-y. Oh non, c'est elle. Elle va peut-être essayer de m'embrasser. Mais non, elle peut pas te toucher pour l'instant. La pauvre est amoureuse, tu t'en rappelais plus? Ah ouais, ouais. On va les rétamer en beauté, à toi l'honneur. 17, 66, chargez. Tu vas manger la poussière dans le lait. Ah, j'ai même pas eu le temps de te voir venir. Eh, t'as fait sauter ma dent de lait? C'est super, merci. On s'en fiche de ta dent, on a perdu la partie à cause de toi. On m'appellera plus dent de lait, salut. Contente de te retrouver. Alors, tout va bien?
Oh. Attendez-moi, les gars. Vas-y, Spinelli. Toutes tes forces. Fais-lui passer le mur du son. Ouais, on n'a jamais trouvé mieux que le ballon pour s'amuser. Ouais, je connais pas un enfant capable d'y résister. Ta chance va tourner d'être loser. Oh, c'est ce qu'on va voir. J'ai tout mis en bloc. Alors là, papa a claqué des doigts et il a dit « Renvoyez ce garçon sur le champ. » Je l'ai, je l'ai, je l'ai. Oh, Tidji. C'est ma faute, je le sens. Oh là là, j'ai mal pour lui, je peux pas regarder. Il a quand même attrapé la balle. Je me suis cassé la clavicule. Il paraît que moins je bougerai, plus vite je guérirai. Combien de temps ça va prendre? 5 semaines. 5 semaines? Je sais pas si ça vous aidera à battre les CM2, mais j'essaierai de leur jeter le mauvais œil. Et où comptes-tu aller comme ça? En récré? Oh non, certainement pas. Il est strictement interdit aux enfants dans ton état de mettre un pied dans cette maudite cour. Mais où voulez-vous que j'aille? C'est pas l'heure d'aller en cours. Tu traverses le hall, tu descends les escaliers et tu entres porte 51. Et toi, repose cette banane. Oh, quelle amusante perspective d'être casseur passant ses récrés enfermés dans la 51 avec les visages pâles. Les visages pâles? Mais qui c'est? Les visages pâles sont ceux qui ont choisi de rester à l'intérieur pendant la récré. Ouais, ils sont vraiment pas marrants. Encore moins que moi. Et Tidji sera bientôt leur copain. D'ailleurs, ça m'étonnerait pas qu'il devienne lui-même un visage pâle. Non, ne l'écoute pas, il dit ça pour te faire peur. Ah ouais? T'as entendu parler de Seth Jowick? Non, qui est-ce? Il y a 3 ans, le petit Seth Jowick était un enfant normal comme toi et moi. Mais un matin, sa vie bascula. C'était un lundi. On venait de sonner l'heure de la récré et tout le monde se ruait dehors. Clopin clopant, le petit Seth Jowick allait en faire autant. Il s'était cassé la jambe en faisant le cornichon dans les escaliers. Ses lacets étaient défaits. Mais à cause de son plâtre, Finster l'a expédié dans la 51. Et on ne l'a plus jamais revu. Les visages pâles ont eu Seth Jowick et je te garantis qu'ils t'auront aussi, Pal Weiler. Weiler, je suis trop bon. Alors, où en étais-je? Ah oui, direction la 51. En avant, marche! Non, Tidji, ne va pas avec eux. Relax, vous faites pas de soucis pour moi. Les visages pâles n'ont aucune chance de me détourner. Oh tiens, Peau Rouge! Gandalf, Milon Peau Rouge, sois le bienvenu et profite. Je suis Franck et voici mes camarades Rodney. Salut à toi. Steve. Allô, amigo. Et Carl. Et moi, Pua. Diagnostic, s'il te plaît. Aïe, 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 yo, 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 yo. Ah, apparemment, il s'est fracturé la clavicule. Donc, on l'a expédié dans la salle 51. Parfait. T'es comme chez toi ici, sois le bienvenu. Retournons à Waterloo où Wellington tient à distance Napo et son armée. Raconte, Tidji, ils ont essayé de te faire un lavage de cerveau, hein? Oui, mais je l'ai vu venir et je me suis protégé. Bien joué, mon pote. Ouais, résiste, chacun son camp. On mélange jamais les torchons et les serviettes. T'inquiète pas, je suis des vôtres et j'ai la situation bien en main. Je suis en train de concevoir un jet que je vais reconfigurer en robot. Brillant, Steve, mais regarde mon œuvre. Mon robot est un dinosaure volant dont les récepteurs peuvent régénérer les ailes en cas de panne. Wow! Hein? Prêt pour un vol de reconnaissance? Hey, salut! On voulait seulement savoir si tu voulais jouer avec nous. Oh, je suis désolé pour ton truc. Oh, il n'y a pas de mal. Le plus amusant dans le cristal à construire Roboborg, c'est de casser pour tout remonter. Oui, après. Qu'est-ce qu'il lit? Oh, c'est une BD. C'est Seigneur Fusion, mais je ne parie pas. Seigneur Fusion? Tu connais Seigneur Fusion? Ouais. Regardez ce numéro 417. C'est l'aventure ou la siesta? Avec un super hologramme en couverture. Abracouldabra! Seigneur Fusion, c'est le meilleur. Moi, j'ai un exemplaire signé. De l'auteur. Oh, vous êtes de vrais connaisseurs, on dirait. Ça alors, c'est une bonne nouvelle. Salut les gars, je vous ai apporté le numéro 600, encore chaud de la presse. On est jeudi et chaque semaine, ce jour-là, on fait une partie de Donjons et Dragons. Tu veux y jouer? Oh, d'accord. On a tous un personnage. Moi, c'est Yandor le barbare. Et moi, Yvette, l'ecclésiastique. Carl et Larac l'ogre. Ah, mais.
Et moi, c'est Knarf, le maître du jeu. On a trouvé les noms de nos personnages en mettant nos propres noms à l'envers. Donc toi, TJ, tu t'appelleras GT. GT, veux-tu devenir notre druide? Oh, avec joie, j'ai rien de mieux de prévu. Le jeu peut commencer. Tu es seul et tu traverses les sous-bois sombres et mystérieux lorsqu'un lutin jaillit d'une fontaine d'eau gazeuse en brandissant une bouteille bleue fluorescente et une drôle de limace gémissante. Pratiquement à la fin de ton voyage, une vieille femme s'approche de toi pour te féliciter lorsque d'un seul coup, un dragon apparaît derrière son châle. Lance les dés, GT! Lance les dés! 77! Ton poignard a ripé sur la cuirasse du dragon. Attends, avec les capes magiques, ça me fait 7 points de plus. GT a raison! Et si l'on considère la proximité du manoir vermillon? Le dragon est terrassé! Tu es un maître du niveau 9? Attention, ton épaule! Oh, remarque, en y réfléchissant, ça doit faire 5 semaines que t'es arrivé, t'es sûrement guéri. Je crois que oui. À cette occasion, nous te réservons une surprise ce soir, après l'école. Une surprise? De quel genre? Qu'allez-vous faire de moi? Et si on donne le programme, ce sera plus du tout une surprise. Regarde, TJ, Bédéopolis. Waouh! Tu m'emmènes droit au paradis. Oui, mais je n'ouvre pas les portes à n'importe qui. Allons-y. Je viens d'atterrir sur la planète des visages pâles, c'est un rêve. Hé, où est-ce que tu veux te faufiler comme ça? Le pont rouge est avec moi. Knarf, ok, pardonnez-moi grand maître, je ne voulais pas offenser une fine lame de votre niveau. Je t'épargne pour cette fois, mais attention, le glaive de Granimède est dangereusement suspendu au-dessus de ton crâne. Merci. Je t'en prie, maintenant ces merveilles sont à ta portée. Choisis l'album que tu veux, c'est un cadeau de Rodney, Steve, Carl et moi. Un cadeau de départ et un cadeau d'amitié aussi. Hey, tu vas nous manquer. Votre geste me touche. Et moi aussi j'aimerais beaucoup vous faire une petite surprise dont j'ai le secret. Comme c'est bon de retrouver ses copains et le grand air. Oui, dépêchons-nous, Lawson se prépare déjà à perdre la partie. Comptez sur moi, mais attendez que mes autres copains arrivent. Tes autres copains? Attends, t'espères nous faire jouer avec le visage pâle? Non mais tu rigoles, il n'est pas question que je me mélange à ça. Et pourquoi? Ils sont comme vous et moi. Salut à toi, GT. Gretchen Grundler, noble reine de beauté. Elle me rend complètement électrique. Je suis flattée, c'est un odeur de... Hé, hey, regardez-moi ce que nous avons là, le déplâtré palichon et ses pâles compagnons. Finalement, je commence à me sentir mal pour eux. T'es pas sérieux, mon vieux? Tu n'espères quand même pas gagner avec ces blancs becs? On t'en fera voir de toutes les couleurs. Voilà, ça c'est un ballon et c'est fait pour taper dedans. Et avec le pied de préférence. Steve, t'es le premier, bonne chance. Et il s'est dégommé lui-même avec le ballon. Dehors, le nul. Monsieur, viens. Ouais. Non, cours en première base. Dehors. Ah, mais on avait de bon, on sait même pas où aller la première base. Oh non, Detweiler, non plus de visage pâle. Mon équipe risque de mourir de rire. Elle est trop bonne. Regardez la touche qu'ils ont avec leurs lunettes et leurs chapeaux bizarroïdes. Ils sont nuls, tes potes Detweiler. Les ringards. Maintenant, ça suffit. Hé, attends, il peut pas tenir tête à Lawson, faut le protéger. T'inquiète pas pour lui, Vince. C'est un maître de jeu de niveau 42. Si tu as un problème avec mes camarades ou moi-même, je te prierai de n'adresser tes remarques qu'à moi. D'accord, alors ouais, j'ai un problème avec toi. Dans ce cas, on est deux, parce que ta tête ne me revient pas non plus. Je ne voudrais pas avoir la tienne en peinture. Tu me rappelles un croisement de crapaud et de tarentule. Et toi, je vois la haine dans tes yeux de rosée avec un monstre. Toi, tu oses me traiter de monstre? Je suis expert en la matière. Alors là, tu l'auras pas volé. Je vais te faire ce que t'as fait subir au petit Sedgewick. Vous trouvez ça marrant? Tu as les antennes de perception brouillées, mon vieux. C'est moi, le petit Sedgewick. Mais tu étais si petit et tu es si grand. Eh oui, j'ai grandi comme tout le monde. Mais ça te plaît de fréquenter ces drôles de gars? Ce sont mes amis. Toi, tu préfères encore la compagnie de ces dingues à la nôtre? Soutenez-moi, je m'écroule. Je te remercie d'avoir essayé de nous faire participer à ton jeu, mais je préfère la pièce 51. Il y a beaucoup trop de monstres chez vous.
Gondor Primulon, J.T. Et que la force soit avec toi. Oui, de toute évidence, les monstres ne sont pas ce que l'on pense. Exact, mais j'avoue que pour moi, il y a encore un mystère. Comment vous faites ce truc avec vos doigts? Si vous arrivez à laisser tomber le ballon 5 minutes, je vous expliquerai.